Le Cameroun regardera le mondial à la télé, les Lyon n'ont pas réussi à gagner sur l'ensemble des deux matchs ceste donc la Tanzanie qui passe, pays dans lequel étaient bloqués les joueuses le président de la FECAFU, Samuel Itoufis a grondé les joueurs de l'équipe nationale après leur victoire certes, mais acquise au bout d'un match décevant. Au milieu de toutes les critiques qui lui sont adressées actuellement, il a tenu une promesse qui fait plaisir à une partie des Camerounais plus tolérants que d'autres. points. les Lions Indomptables du 17 du Cameroun, étaient bloqués en Tanzanie après leur défaite, 1-0, synonyme d'élimination de la Coupe du Monde féminine. Elles sont rentrées grâce à Samuel Etoufis, qui a décanté la situation Pois je vais vous récupérer, on rentre sur Yaoundé après le match, avait promis Samuel Etoufis aux filles bloquées en Tanzanie. Coïncidence ou non, les Lions Indomptables ont aussi joué le match contre le Burundi en Tanzanie. Samuel Etofis a rencontré les responsables du football tanzanien et leur a fait part de sa volonté de rentrer avec les Lions Indomptables. Ceci vient éviter de justesse une humiliation au Cameroun. les 7 07. joueuses, le médecin et le sélectionneur retenus à Zanzibar sont finalement rentrés à Yaoundé à bord du vol de la sélection A. Ils ont posé les pieds à l'aéroport de Yaoundé jeudi le 09 juin. Mondial 2022. Les Lions empêchés de rentrer à la maison après la défaite décidément, rien ne sourit plus aux Lions indomptables catégorie U17. Après s'être éliminés par la valeureuse équipe de la Tanzanie, les Camerounaises n'ont pas réussi à rejoindre leur bercail pour faire la part des choses et se préparer pour les échéances à venir. Point avec l'apparition de la maladie de la Covid-19, les tests Covid ont été instaurés pour contrôler les joueurs et joueuses, afin d'éviter des contaminations. Le groupe du Cameroun a été testé. Jusqu'ici, aucun résultat ne leur a été communiqué point depuis dimanche le 05 juin 2022, des membres de l'équipe sont bloqués en Tanzanie. Ce sont Stéphane Zana, coach principal, le médecin et 7-07 joueuse. Cameroun Tribune ajoute que ces personnes sont mises en quarantaine parce qu'on les soupçonne d'avoir le Covid-19.